les aventures de la tour Wayne. Oh, et comment on va faire? On a un plan. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Désolé, c'est depuis la tempête. Dès que je suis nerveux, je plane dans les airs. C'est un des bons côtés quand on est moi. Le bon côté quand on est moi, c'est qu'on sait organiser des soirées. Oli, je te l'ai déjà dit, pas question que tu organises un dîner. En plus, notre priorité, c'est d'empêcher l'espionne de trouver Andrei. Ça permettrait à nos familles de se rencontrer. Il est temps que notre amitié passe au niveau supérieur. Ouais, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Andrei, dépêche-toi, cache-toi derrière les manteaux. Est-ce que tu vois le vampire? Tout ce que je vois, c'est deux petits porteurs qui poussent un porte-manteau et qui nous empêchent clairement de voir ce qui se cache derrière. Le Wayne n'a pas de porteur. Donne-moi ça. Fuyons! Pansy, Nancy, mes parents, des crudités et Sarah Line, malheureusement. En fait, j'ai jamais rencontré ton père. Il fait quoi dans la vie? Mon père, il est psychiatre. Il a tendance à analyser tout ce qu'il voit et absolument tout le monde. Encore plus quand il s'agit de mes amis. Ici, vite! On les a semés. Vous allez à quel étage? Elle est là. Je commence à planiquer. Je t'interdis de planer. En plus, tant qu'il y aura du monde dans les parages, elle ne pourra rien faire. Pas tout de suite. Alors, ce dîner, ça te convient la semaine prochaine? Oli. Demain soir? Ou sinon, maintenant? Oh! Oh, Oli, Sarah Line! Nancy, te voilà enfin. Papa, j'aurais dû te voir venir. Oh oui, tu aurais dû. Promets-moi de te comporter normalement. Ne l'ai-je jamais été? Oli, tu es en caleçon! En exclusivité sur Canal et Numéricable,